Salut à tous, amis téléspectateurs, téléspectatrices de la Télé-Pacifique. Avec plaisir, on vous retrouve pour cette nouvelle sortie d'Écho des Arts. J'espère que vous avez passé un week-end agréable. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on a un menu rempli pour vous. Dans les jardins de Kiskeya fut déroulée la votre signature de l'auteur Stanley Bastien le samedi 16 janvier 2021. Et on aura également la 15e édition de Pub Jazz qui a eu lieu à l'Hôtel Caribé le samedi 16 janvier 2021. Mais le temps de la pause, on vous revient. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 PM, reprise 1h30-1h45 AM, 7h30-7h45 AM. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Merci d'être encore branché. L'écrivain Stanley Bastien a signé le samedi 16 janvier 2021 dans les jardins Kiskeya son recueil de poésie intitulé Pliméanque. Au cours de cette vente signature, l'auteur a annoncé également la sortie prochaine de notre recueil de poésie agrémentée de peintures dénommée Plimé. Pliméanque fait première vente signature jeudi samedi 16 janvier dans la cour jardin Kiskeya. C'est un plaisir pour nous parce que nous, le public, répond à l'appel, surtout jeunes, les amis littératifs et les amis poésie. Alors, Pliméac commence à faire chemin, j'en ai dit. Pliméac, son parole, l'espoir, une parole, l'amour, la vie. Une parole qui parle l'amour dans la vie dans l'amour. Et Pliméac, c'est une poésie tout qui porte une parole revendicative, une parole rebelle, une parole qui dénonce. Et Pliméac, c'est un projet artistique tout avec Plimé, qui c'est David Thébault. Côté dessin, marié à poésie, c'est une dans l'autre, c'est une après l'autre. Alors c'est un plaisir pour nous, pour première vaccination pléméen, pour lire en réussite. C'est une occasion pour nous présenter le public là. L'autre œuvre Stanley Bastien était publiée déjà, telle que à moi, entre parenthèses, l'ancien diffé. Alors pour journée, hein, c'est une réussite. J'aime dire là, je viens répondre à l'appel, t'as une causerie, exposition, vaccination et pour le bon spectacle là. Et nous disons merci déjà avec tout le monde qui vient dans votre signature Pliméac. Et merci encore une fois pour le monde qui va aller pour les Pliméac. Les participants de leur côté ont répondu vivement à l'appel, se disent satisfaits de l'événement. Ils se montrent aussi curieux de faire un voyage au-delà de ces pages. Suivant. Bon, moi, c'est vraiment intéressant et dans votre signature là parce que moi, j'ai appris le monde et puis les vieux vannes et j'ai des débats à faire autour de poésie. Poésie à tout, moi, c'est vraiment intéressant. L'activité a bien déroulé jusqu'à présent. Comment étant donné que vous appelez les livres là, qui sont inspirés de livres? Ce qui est intéressant, c'est trois éléments que je vais mettre ensemble, vu qu'il y a avec littérature tout. C'est plume. Ça veut dire pour qu'un bébé plume, il faut gagner. Et puis c'est l'encre qui c'est matière qui fait plume capable de produire tout. Ça veut dire que je vais mettre trois éléments ensemble. Et pour le produire en beauté, c'est à peine que j'ai essayé de découvrir ce débat. C'est bien que l'irrité n'a pas fait de choses, c'est une zone où tout. Même si j'ai découvert l'écrivain, j'ai habitué à découvrir l'autre écrivain qui écrit pour lui. Je me sens content parce que j'ai obtenu votre signature là et qui était annoncé pour 16 janvier. Et pour qu'on y a, moi, qui a dit le livre là même, moi, je vais le feuilleter quelques pages pour que je garde qui ça quand j'ai appris le Nan sa m konnen Stanley Bastien comme poète comme 5e recueil poésie li matin nan pil nan Pliméan clan pou konnen m beaucoup feuilleter mais seulement et m getan assoiffé de ça qui en dedans par rapport à ti cause ki m getan wè k ap fèt sou li et m pral attendre moi un paquet de bagaille qui sa lié d'abord comme poète que ça li produit déjà que li parle de fille de la nature de tout ça qui gagne en dans société nous et moi quand Stanley Bastien deux pas amis dans amis taille nous mais en même temps tout de s'allier dans comme poète comme avocat et moi ca dire que livre là m'a soifé pour me lire depuis assoir comme il déjà dans valise moi m'pas ca courir vite sous ça candle mais quand même penser li gagne li gon paquet de bagaille me penser que m'pral content li. À l'issue de la votre signature, le chanteur guitariste Atis Métayer, la troupe de danse Yanvalou et la compagnie de théâtre Zo Flambeau ont animé la partie culturelle suivante.
Nous voulons penser bien calculé. Nous faisons un paquet de plans avec un paquet de plans. Pour malheur, pour douleur. Ça t'a dit théâtre national, d'amener Hollywood dans la vie de chaîne. Je ferme l'esprit, je fais derrière. Je mets des pignons, je vous lasse. Et puis sortant de là, nous chacha, nous chawa. Net. Si vous avez besoin de gaz, faute de l'entreprise, alors que vous tirez. Si vous avez besoin de gaz, à claquer, si vous ne pouvez pas aller à tabac, alors que vous êtes en cabri. Si vous avez fait selfie, vous êtes en verre mouche, alors que vous êtes en boussole, et puis vous êtes. C'est pas gentil, c'est pas hier. La côté corps, la côté viande, tout plein de sécurité. Ça fait quelque temps, nous côté poids, côté veille, côté flèche. Nous avons cherché une image pour ton fils, nous avons gardé le vent, nous avons pris l'oreille, nous avons changé de poste. Dans un monde à l'envers, un monde à l'envers le mal, nous vivons dans un monde à l'envers. C'est 12 à 30 ans, poser problème. C'est juste question m'a posé, pas du mal de place. Le samedi 16 janvier a été marqué par la prestation des premiers groupes musicaux de la 15e édition Pop Jazz à Caribbean Hotel, marquant ainsi l'ouverture des festivités avec des groupes et musiciens venus partout et ailleurs. Au menu de cette première journée, le pianiste Jackie Terrasson, la chanteuse Celia Kameni et son pianiste Alfio Origlo, vient ensuite Nek Etienne et Mbappé, des groupes français et camerounais qui ont partagé la scène de l'ouverture du festival. En Haïti, ouais, première fois. Trop content d'être là. Comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est la première fois qu'on monte sur scène depuis presque 3 mois maintenant. Et donc, on est très content d'être là. Un peu catastrophé par les événements actuels, on va dire. Mais bon, c'est bien de jouer en Haïti. Yes. Quel enthousiasme que vous avez sur scène, racontez-nous un peu, ça a été comment sur la scène. Je crois que vous avez été décédé sur scène, racontez-nous. Ouais, on est juste trop content de jouer depuis, comme je disais, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué. Et là, vous savez, nous, on a la chance moi, je dis toujours que je suis payé pour voyager. Une fois que je monte sur scène, je m'éclate, je m'amuse. En revanche, quelquefois, je prends 3-4 avions pour me passer d'un endroit à un autre. Et donc pour ça, je veux bien prendre 2-3 billets. Mais sinon, non, là, c'était que du bonheur. On est vraiment dans une ambiance de partage en ce moment. Moi, j'ai senti que les gens, ils étaient complètement avec nous ce soir. Complètement accrochés à la musique, hyper attentifs. Et c'est vrai que ça fait beaucoup plaisir de sentir que il se passe beaucoup de choses en 2 secondes, quelquefois. Hein. Yeah.
ça a été incroyable, ça a fait tellement du bien de faire de la musique, le public était, était fou aussi, donc voilà, on a passé un super moment ce soir. Oui, bah pareil, une grande libération de pouvoir rejouer après tous ces mois de non-musique et à Haïti avec les gens super chauds, super attentifs, c'était très agréable. Et c'est bon, il n'y a pas de situation, tu sais pas. Ouais, c'est la première fois qu'on vient ici et on est super contents. Et comment est-ce que vous trouvez le festival ? Ben, pour l'instant, ça n'est que le début, mais ça s'annonce super. L'affiche est superbe. Les musiciens qui participent au festival sont tellement bien choisis. Les organisateurs sont très chaleureux. Donc voilà, on est content d'être là. Qui n'arrête jamais de faire de la musique, d'écouter de la musique. Voilà, c'est tout. Et oui, il faut toujours faire de la musique. Et la musique, c'est fait pour faire plaisir aux gens en se faisant plaisir. Donc c'est merveilleux. Le RARA Fallujah était une fois de plus présent à la 15e édition de ces festivités qui constituent pour eux une tradition depuis 8 ans. Après chaque prestation, les festivaliers se défoulent en dansant au rythme des chansons locales rappelant les pratiques culturelles populaires. Pour Festival Diazan, ça a fait 15e édition, mais nous-mêmes, ça a fait 8e participation. Non, raison de plus qui fait que nous pas là pendant toutes 15 ans, c'est parce que nous avons gagné manager Pascal Jounet, mais une fois que manager a été venu rejoindre nous, de là étant, nous venons commencer à faire et partir de Festival Diaz. Et le vini en coutume, c'est chaque année que nous toujours les Fallujah pour venir participer dans le festival. Nous avons toujours été mobilisés, camper d'aide au Fallujah, parce que Fallujah travaille pour nous, c'est promouvoir la culture haïtienne. Et si ce n'est pas de problème maladien là, le conseil que nous avons gagné en Europe, mais on connaît tout ça qui fait les bonnes raisons pour ça. Alors on a demandé tout le monde toujours aider parce que Anessa, ça qui fait Fallujah, je suis capable de dire là tout. En passant, ça qui fait Fallujah dans le festival de Anessa, c'est juste parler. Nous avons parlé avec les dirigeants parce que nous avons dit qu'on prend Fallujah par rapport avec Kiskea parce qu'on connaît lorsque nous avons joué Kiskea, nous avons toujours venu à entrer et Corona. Mais le fait que nous avons fait une proposition, nous disons dans Kiskea, c'est Télépacifique à plat quand même, nous avons l'autre bagage. Nous avons fait Fallujah Cap jouer et puis nous avons gagné 4 personnes capables avec tenue et Corona. Et puis depuis que par exemple nous 4 personnes qui campent comme ça là, ou après 4 personnes qui viennent avec une danse pour faire nous éloigner pour nous capables de respecter la distance. Alors c'est la raison ça qui fait que Fallujah dans le festival de Jazz Anessa. Mais si ce n'est pas l'idée ça que nous avons fait, nous avons dit nous sorry pour Anessa à cause de la maladie. Bien relax moi senti bien et pour une première fois me venir moi remet ambiance là moi remet Jean Jazio Joya Jean madame nan te saute performer am vraiment remet performance là et puis me pensais que en prochaine fois m'a plan encore vous comptez aller dans le spectacle à cause problème insécurité am te préférer venir là. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette sortie d'Écho des Arts. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la 54.